L'Union africaine, aidée en cela par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, plaide depuis plusieurs années maintenant en faveur de la mise en place de la SLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. De manière concrète, de quoi s'agit-il? En quoi est-ce que la SLECAF peut-elle contribuer au développement des États africains? Mais surtout, pourquoi ratifier la SLECAF et la mettre en œuvre? Des questions qui sont au cœur du Forum national de sensibilisation et d'information sur la mise en œuvre de la SLECAF organisée à Yaoundé au Cameroun par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. L'idée est de rappeler au Cameroun quels sont les avantages qu'il tirerait à ratifier la SLECAF. Il est important que les parties prenantes du Cameroun, notamment le secteur privé qui est le premier producteur de l'économie camerounaise, soient informées des tenants et aboutissants de cette zone. Donc le premier objectif de ce forum, c'est effectivement de sensibiliser, de préparer le secteur privé camerounais à se positionner sur ce marché. Le deuxième objectif du forum, c'est de préparer déjà la stratégie nationale du Cameroun pour faire face à ce nouveau marché. Comment est-ce que le Cameroun pourrait attaquer ce nouveau marché? Du côté du gouvernement camerounais, on affirme que la question de la ratification de la SLECAF est une priorité. Selon le ministre du Commerce, le pays a en effet été l'un des premiers signataires du traité et le processus de ratification est depuis lors engagé. La ratification est un processus qui comporte un certain nombre d'étapes. La ratification suppose que le texte est examiné et adopté par le Parlement. Nous avons deux chambres au Cameroun, donc je voudrais dire que le processus est tout simplement en cours, et bien en cours. Avec l'entrée en vigueur de la SLECAF, c'est ainsi la naissance de la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de participants, rassemblant à terme les 55 États membres de l'Union africaine. Elle instituera un marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs pour un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars.